Alain, propos d'un Normand. Chemin de fer. Lorsque l'express a jeté sa fumée dans les petites gares, martelant les aiguilles, forçant sur les courbes, secouant le bois, le fer et les gens, promenant son tonnerre à travers la campagne, il entre enfin, poudreux, geignant et grinçant, dans la gare où il doit s'arrêter. Alors, on en voit sortir un flot de gens qui, pour une ou deux journées de travail, ont vaincu la distance, et qui n'en sont pas plus fiers. Car sans doute, ils se sont exposés à une mort horrible, et ils ont des reins douloureux. Mais enfin, leurs épreuves ne font que commencer. Dans une grande salle, il y a des montagnes de malles et de valises. Il en arrive d'autres, que l'on verse au tas. Les femmes perdent bientôt tout espoir. Les hommes font des ascensions. Découvrent enfin une malle, retrouvent un carton aplati et un panier défoncé. Après cela, recrutent à des prix fous un cocher et un pousseur de chariot. Cela prend une bonne heure pour les plus actifs, et quelquefois une demi-journée. L'ingénieur ne se promène jamais par là. Ce tas d'ordures lui soulèverait l'estomac. Non, il préfère contempler la locomotive viennoise et le hardi mécanicien qui a brûlé quelques signaux, disloquer quelques boulons et forcer quelques freins pour regagner un quart d'heure. Il y a un grain de folie là-dedans. D'abord, personne parmi les voyageurs n'a réellement besoin de ce quart d'heure-là. Songez aux heures que l'on use au café, au théâtre, ou tout simplement en bavardage. Faut-il tant dépenser et tant risquer pour que le voyageur mal réveillé aille prendre bien lentement son chocolat pain-beurre en attendant que le jour se lève? Mais enfin, s'il faut gagner une demi-heure, on le peut, sans risque et en dépensant beaucoup moins. On faisait tout à l'heure 2 kilomètres à la minute. Maintenant, dans cette salle de bagages, ma malle ne fait pas 3 mètres à l'heure. Et les voyageurs de la diligence se moqueraient de nos chariots à bagages. Quoi ? Tant de plaines et de vallées franchies d'un élan, et vous me laissez devant cette montagne de carton à chapeau, sans guide et presque sans espérance, tant de chevaux vapeurs tout à l'heure à mon service, et maintenant pas seulement un homme. Avec tout cet argent que l'on emploie à me faire gagner un quart d'heure, on aurait de vastes dégagements, assez de chariots pour y grouper les colis, et pour les faire passer tous, en 10 minutes, sous l'œil des voyageurs. Vous auriez des quais de débarquement, où les voitures recevraient les malles. J'y gagnerais 1 heure peut-être, et les trains pourraient rouler à une allure raisonnable. On est bien mieux assis devant un paysage mouvant, comme au spectacle, que debout devant ce triste éboulement de malles et de valises. Mais l'ingénieur s'en moque, et le voyageur lui-même n'y pense guère. 3 octobre 1910.